verset 24, alors, verset 14 à 24. Nous lisons ici. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jetait par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Reste d'un crédit, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'agitait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon intégrité, incrédulité. N'a plus verset 25 ans. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et nous bécité de Capachita. Et si matin, nous t'avons bail en titre, à ça que le Seigneur mettait sous que nous matin, nous t'a titré comme ça, la croyance en Dieu. Nous dit la croyance en Dieu, n'a pas pour Jésus, surtout, il était toujours bien avec lui, de nos disciples que nous tous connaissons, c'est Pierre avec Jean. Comment on fait comme ça, frère ou bien, dans le même chapitre là, dans verset 2, il dit nous, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean et il les conduisit sur son sol. C'est-à-dire que 3 disciples ont été avec Jésus. À un moment, Jésus t'a traversé sur une haute montagne. C'est ça que fait dans le texte là, dans le chapitre là, quand il dit Jésus sur une haute montagne, la transfiguration. Pendant le discours, haute montagne qui relève montagne de transfiguration. C'est-à-dire c'est en sorte de métaphoser, les métaphores qui signifie transfigurer, qui ce n'est autre que la gloire de Dieu. C'est-à-dire que son niveau élevé, c'est la présence de Dieu. Quand que nous voyons bon Dieu, nous voyons un monde qui n'a pas position élevée. Et ça fait David dit, je lève mes yeux qui côté. Et donc, qui dit, je vais monter qui côté? Sur la montagne. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. C'est là, c'est-à-dire montagne de transfiguration, ce n'est que la gloire de Dieu. C'est une montagne qui te manifeste la gloire de Dieu. Et entre-temps, Jésus arrivait bon côté l'autre disciple. Et lorsque il arrivait bon côté de notre disciple, selon verset où dit nous là, ils joignent une discussion. Pour que disciple a discuté dans verset 17 là, il dit qu'il y a même
scribes là, dans verset 18. Il dit, et en quelques lieux qu'il saisissait, il jeta par terre l'enfant écumait, et je priais les disciples de chasser l'esprit. Pendant que discussion, là Jésus paraît, c'est que n'est-ce discuté avec papa Timoun ça. Ça que papa Timoun a dit, lui mandait disciples Jésus pour le chasser l'esprit. Dans verset 18. Yo, pas qu'à chasser. Qui d'a tout matin, en ce dernier dimanche de l'année 2022, ça que moi pas qu'à faire, ça que ou pas qu'à faire, ça que docteur pas qu'à faire, ça que l'argent pas qu'à faire, ça que connaissance pas qu'à faire, qui d'a tout matin, Jésus qu'à faire. D'ici, papa Timon a dit que lui menait Timon, non? Bay disciple, mais disciple pas qu'à chasser esprit. Jésus était un petit genre, blâmé disciple, lui traité aux races de vipères, lui dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est-à-dire que pour ces moins pour venir faire, ou pour qu'on faire, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus dit, papa, au quand ça passé, mais Timon n'a pas moi. Matou matin, difficulté peut-être chargé au guerrier pour te bailler Jésus. Par contre, si c'était depuis le premier dimanche de l'année 2022, où tu es en face d'une situation difficile, qu'on peut trouver une solution, mais pour vivre que matin, on a quelque chose pour sous la montagne de la transfiguration, qui serait donc qui dans la présence de Dieu, quel que soit nature problème de Matou matin, pour te bailler Jésus. Amen. Alléluia. Jésus dit, amenez-le-moi. Yo, menez-le-moi. Juste que vous portez problème dans le Jésus. M'a dit, ça matin, frères et sœurs, Jésus qui fait ça, l'autre monde pas qu'a fait. Tout ça, l'autre monde pas qu'a fait, Jésus qui fait. Bagala continue avant Jésus agit. Jésus posait par partie la question. Dans verset 20, il dit, combien y a-t-il de temps que cela lui arriva? Papa a dit, depuis son enfance. Ça veut dire, ça fait longtemps situation demeurée. Mais qui t'aime toujours dire, c'est le dernier jour pour problème dans une solution parce qu'on a présent Jésus. Parce qu'on est sur la montagne de la sanctification. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Qui est possibilité pour problème dans résoudre. Mais néanmoins, il faut porter le bali. Porter le bali qui côté? Dans la prière. Porter le bali dans la prière. Papa dit depuis son enfance. Répondit-il. Papa a commencé à expliquer. Il dit souvent l'esprit a jeté dans le feu. Quelquefois jeté dans l'eau pour le péril. Papa Timon a dit Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Semble-t-il que Jésus sentit que son manque d'information, ou du moins son manque de foi, pour ne pas dire une insulte, pourquoi? Parce que Papa Timon a créé une barrière de doute. De l'incapacité de Jésus. Qui t'a tout matin, Jésus capable d'en dire? Ou besoin de croire qu'il est capable. Si tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus reprend papa pour dire, si tu peux, si je peux, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est possible. À celui qui croit. C'est pas une question si m'capable parce que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Moi j'ai pouvoir pour me changer de temps, pour me changer de circonstances. Moi j'ai pouvoir pour me faire route côté par des routes, me faire route pour les enfants d'Israël en face de la mer. Et puis moi dis si je peux. Oui, je peux. Mais pour ma juste que vous-même vous positionnez. Qui positionne si tu crois.
C'est-à-dire que c'est la croyance en Dieu qui est capable de bonne victoire. Faut qu'on croit. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. C'est ça que fait nous dit matin. Sujet nous, c'est la croyance en Dieu. C'est pas que si moi capable, oui moi capable, comme moi dit ça que connaissance ça que l'argent pas qu'à faire, Jésus capable faire matin. Jésus continue pour la parler avec papa. Il dit c'est depuis l'enfance problème non là. Il fait en pile bagaille. Amen. Jésus semblait te voulait corriger papa comme nous dit. C'est pas une question si je suis capable, c'est est-ce qu'on croit? Parce que tout possible à monde qui croit, papa pas hésité pour dire Jésus dans verset 24 là, oui, je crois. Est-ce qu'on croit dans Jésus matin? Est-ce qu'on croit dans Jésus matin? Papa dit je crois. Question comme tout, c'est est-ce que vraiment on croit dans Jésus? Comment on croit dans Jésus? Est-ce qu'on croit dans Jésus comme étant sauveur, comme étant maître matin? Est-ce qu'on croit en lui-même? C'est lui qui sauveur. Est-ce qu'on croit que c'est Jésus qui sauveur? Et qu'on cantique qui dit ça? Seigneur, moi crois en qui ça? C'est bon Dieu. Amen. Seigneur, nous allons chanter lui. Chantez dans ton choral. Oui, ou après, oui, il t'est mouru. Amen. C'est lui qui met la vie, attendez. Oui, c'est presque la vie, amen. Et moi, quoi, on met campé là. Il dit, je crois que tout pouvoir et moi crois ou régner. La croyance en Dieu. Moi crois que tout pouvoir, moi crois ou régner. Qui t'aime tout matin? Ou même quand célébrer Christmas, c'est pas un bébé qui vient célébrer la matin. Mais on vient célébrer un roi. C'est un roi qui vient célébrer. Qui t'aime tout matin, un message, hein? C'est une révélation à moi-même. Premier dimanche, mois novembre, premier week-end novembre, dès que je suis mal dans Fork avec toi, bien-aimé. Et puis pendant que je suis en face de l'église là, moi, ouais, un sachet noir en face de l'église là. Premier ça qui attire l'attention, comment sachet a fait en face de l'église là. Et puis c'est là que je vais apprendre que sachet a là depuis jeudi. Malé mal prend sa chair à m'ouvrir, pensant que pas grand rien qui m'a là-dedans. Les m'entrer, moi ouvrir sa chair, moi joignons réveil, tant qu'on réveille ça dans sa chair. Et en dans ce réveil-là, un message. Qui ça message a dit? All things are possible if you believe. Tout est possible à celui qui croit. Pas que rien qui est possible sous quoi. Todos es possible si crees. Ça c'est pour vous, Pasteur William. Todos, mi amigo, es possible siempre si crees. All things are possible if you believe. Est-ce qu'on croit matin? Est-ce qu'on croit dans Jésus matin? Amen. Jean 3, 16, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Oh, qu'il a donné son fils unique. Qui ça? C'est pas seulement le bail, mais il faut où? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Amen. Croyance nous, que dans Jésus matin, c'est lui qui donne accès au salut.
et accès que nous gagnons au salut, lui automatiquement place nous dans le royaume de Dieu. Être dans le royaume de Dieu voulait dire que nous gagnons tout bagaille. Là nous la caille bon Dieu, là nous dans le royaume de Dieu, pas gain, nous pas manquer rien. C'est ça que fait quand il a dit Jésus, c'est qui ça? C'est toute bagaille pour moi. La joie, la paix, la santé, toutes sortes de choses pour vivre la caille bon Dieu, pour vivre dans le royaume, ou qu'à joindre. Tout est possible à celui qui croit. Et l'évangéliste Matthieu dit-nous quelque part dans Matthieu 19, verset 26. Il dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Est-ce que vous connaissez toute bagaille possible avec mon Dieu? Qui sont pensés qu'il est possible à mon Dieu matin? Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous jouons que, lorsque que Jésus fut posé par Patinome dans la question, pour le demander, depuis combien de temps monsieur a gagné un mauvais esprit? Papa a dit, depuis son enfance, Jésus dit, menez le bali. Lorsque Jésus finit dit, menez le bali, il dit que si tout est possible à celui qui croit, papa fait de la déclaration pour le dire le croit. Est-ce qu'il y a monde dans le matin pour croire dans Jésus? Oh, c'est bien, on vient là où adorer, on vient dans l'adoration du maître, mais ça ne peut pas garantir si on est pour croire dans Jésus. Pour vivre que papa a dit, croyez, gardez ça, Jésus fait. Dans verset 25, Jésus, voyant accourir la foule, lui menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et qui ça, ni rentre plus. Oh! Là, Jésus délivre avec vous, délivre nous, n'entendez. Sous vous, pour tout délivrer et pour vous appeler, en tout la persécution, ça vous pour délivrer. Là, Jésus guérit, il guérit net. Là, Jésus mette au dehors, mette au dehors net. Bien, tu es en prison. L'église t'a prié. Jésus délivre la prison. Hein. Puis, après, j'en tourne la prison. Hein. Ça me plaît tout matin. Hein. Non seulement Jésus guérit, petite langue, mais commandez esprit à dit-il sorti, pas tourné. Frères et sœurs, en ce dernier dimanche, 25 décembre 2022, vous connaissez jusqu'à matin, dès qu'il y a un doute, est-ce que c'est moi qui ai prêché? J'ai toujours pensé que c'est le pasteur Saint-Julien qui a prêché matin. En ce dernier dimanche, pour dire l'église là, ce dimanche que le monde a prôné, il dit Christmas sous prétexte, il a fêté la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore un théologien professionnel, peut-être qu'il y a plus de capacité et plus de possibilité pour le faire ça, mais Dieu fait grâce qui ça? À qui il veut. C'est moi qui devrais camper. Nous d'accord pour nous camper. Comme tout, 25 décembre, dernier dimanche de l'année 2022, c'est un jour très remarquable. Côté presque le monde entier dit, tendez bien, il a célébré la naissance de Jésus-Christ. Qui t'aime tout ça? Il n'est pas impossible, frères et sœurs, que Jésus-Christ te fait en 25 décembre. Mais nous pas qu'à confirmer en tant qu'étudiants de la Bible. Parce que Bible là, qui c'est archive bon Dieu, qui c'est archive ciel, il n'a pas dit nous ça. Nous avons constaté ça. Dans Matthieu, Matthieu chapitre 1, mais ça nous lit. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18, il seulement expliqué, Amen, il seulement expliqué
démarche naissance de Jésus-Christ. Qui ça le dit? Dans verset 18. Il dit, amen. Moi-même, je lis dans la Bible. Moi. Dans verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Seulement ça, il dit Marie, sa mère, ayant été en fiancée à Joseph, nous allons lire tout le bagage. Ça nous voulait montrer, oh, Liban nous démarche comment nous sommes arrivés. Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et officier de l'état civil là, Liban nous date là. Il seulement dit nous, Jésus-Christ né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. That's it. Si date là très important, date maintenant, date l'île ou date l'île, nous d'après. On prend soin pour nous matin ou même qu'attendez que ce soit en Floride, en Haïti, en Dominicanie, peu partout, sur Facebook ou sur YouTube. Nous pas ouais que Jésus-Christ te fait le 25 décembre. Il n'est pas impossible qu'il te fait le 25 décembre, même la Bible n'a pas dit nous ça. Nous besoin d'inviter pour nous, même pour nous dire, matin, c'est fête naissance Jésus-Christ n'a fêté. Nous sommes d'accord pour fêter sa bénisse. Même pas qu'à dire m'a fêté Jésus-Christ. Oui, nous avons fêté Jésus-Christ parce qu'elle n'a pas gagné un jour. Il est Dieu. Jésus-Christ incarné dans le temps. Autant marqué d'une vie que nous dit en pile monde. Dit que a fêté, mais la Bible a dit nous le fête en Judée au temps du roi Hérode. En plus, on dit pour qui ça l'église baptiste du calvaire, pas fêter Christmas. Non, pas qu'à dire ça. Parce que ça, on comprend, on pensait que célébrer Christmas chaque année, chaque 25 décembre, célébrer Christmas pour vous, c'est mettre Christmas tree. C'est mettre en pile lumière dans le caillou. Nous pas de problème pour ça. C'est pas dans le caillou pour mettre la lumière, attendez. Oh, c'est dans la boue pour mettre la lumière. Parce que Jésus présentait tête lui comme étant la lumière du monde. Il dit, le monde entier est tombé, dit ça. Dans le ténèbre péché, c'est la lumière du monde, c'est la lumière du monde qui monte. C'est la lumière du monde qui monte. Mettez lumière dans le caille. Mettez tuyau en tant qu'elle a dit c'est Christmas tree. Caille ou c'est caille, nous ne pouvons pas faire ça. Mais on a besoin qu'on ait tout ce qu'on a fait pour faire pour célébrer Jésus. Ou à faire, c'est une époque traditionnelle. Le monde a fait tout à fait. Nous n'avons pas de problème. Ou mettre faire, mais pas dire c'est naissance Jésus. Ou à célébrer. Parce que la Bible n'a pas jamais dit nous ça. Nous pas condamner non plus le monde qui fait. Mais on fait parce qu'on veut faire. Si on ne pas croire dans le lit, ce n'est pas fêter qui est important. Le monde entier a fait aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, pour moi, à vous, ce n'est pas fêter Christmas comme naissance de Jésus-Christ, mais c'est préparer nous pour nous aller rencontrer Jésus. C'est préparé pour nous tenir le retour de Jésus. Pour nous voir Jésus. L'aller retourner inévitablement. Nous devons croire dans Jésus. Si nous ne croyons pas en Jésus, nous ne sommes pas capables de voir Jésus. Comme maintenant sauvé personnellement, nous devons croire dans lui. Ce n'est pas Christmas là qui est important. Ce n'est pas même, en fait, mettre tout sur météo qui est important. Mais c'est croire dans Jésus. Marthe et Marie et Lazare, c'est des amis Jésus. Lazare était malade au point qu'elle mourit. Jésus allait la caille Marthe avec Marie. L'arrivée de la caille dans entretien avec Marthe après la mort de Lazare. Marthe, Jésus dit que Marthe, Lazare a ressuscité. Non, Jean chapitre 11, il parlait nous de ça dans Jean chapitre 11, si nous regardons, à partir du verset 39, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 39, gloire à Dieu, Jésus dit, ôtez la pierre,
Ça c'est lorsque Lazare fut enterré. La chair du mort lui dit, Seigneur, ils sont déjà tombés là. Ils sont déjà assez pour moi. Ils sont déjà assez pour vous. Ils sont déjà assez pour Marc avec Marie, mais ce n'est pas pour Jésus. Ils sont déjà assez pas pour monde qui croit dans Jésus parce qu'il y a le pouvoir de la résurrection. Amen. Ils sont déjà. Cela veut dire que la situation est fin gâtée. En plus, fois, nous sommes malades dans le cas du docteur. Le docteur dit nous n'avons pas de chance encore. Mais nous vivons encore. Parce que c'est lui qui met qui ça? La vie. C'est lui qui met la vie. Marie dit, m'a dit, il sent déjà. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, ma mère Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la croyance, Marthe. C'est pas combien de temps situation a gagné. C'est pas comment difficile, situation grave, mais est-ce qu'on croit dans moi? C'est-à-dire, est-ce qu'on croit dans le pouvoir? Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme nous disons, c'est la petite croyance, nous, qui a fait nous, ouais, la gloire de Dieu. C'est lorsque nous croyons dans mon Dieu, c'est lorsque nous croyons dans Jésus, nous allons arriver, ouais, la gloire de Dieu. En plus, on dit, ouais. Mais question, c'est dans qui sont, ouais. M'a fini là. Dans mes quittons avec trois bagailles matin. Qu'on doit mettre croyance là-dedans. Premièrement, moi, je dois croire que Jésus-Christ t'a fait. Qui joue frère ou bien? Moi, je ne connais pas. La Bible n'a pas dit ça. Bon Dieu, pas permettre de connaître. Non seulement t'a fait, ou bien je crois que c'est petit, bon Dieu. Comment on fait comme ça, frère ou bien? Matthieu chapitre 2, verset 11 dit ça. Lorsqu'elle fait, Majo à l'ouel et yo a adoré. Dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Amen. Il entrait dans la maison, vive le petit enfant. C'est qu'elle te fait. Avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorèrent. Et il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent. Mais ça, j'ai porté. J'ai porté l'or, j'ai porté l'encens. Nous ne pouvons pas être dans le détail, j'ai porté le mien. Ou pas qu'à venir dans la présence de mon Dieu, ou venir adorer mon Dieu, ou venir adorer mes vies. Ou besoin de finir, non seulement venir adorer, ou venir glorifier, mais qui sont offrir à lui-même. Maintenant, quelle que soit la quantité de l'argent que tu as gagné, ou venir offrir à bon Dieu dans l'église, là, oui, l'église a besoin. Mais ça n'est plus important, mon Dieu, besoin offrir dans ce dernier dimanche de l'année 2022, c'est la vie. Amen. Et ça fait qu'on quand il dit, bon moi qui est où? Dit Jésus qui ça? Bon moi qui est où? C'est ça, Jésus besoin de la vie. Premier bagage là, on a besoin de quoi que Jésus fait. Et il s'est petit, mon Dieu. Comme nous disons, majorité à l'ouel, il a adoré. Et deuxièmement, on doit croire que Jésus-Christ est mort pour péché. Et non seulement mort, il est ressuscité. Et là, il fait préparation pour moi. À coup. Et bientôt, il a venu chercher nous. C'est ça, nous jouons dans Jean 14, verset 2. Il dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je viens préparer, je vais retourner. Je vais prendre ensemble avec moi. Troisième bagaille, nous devons croire. Qu'il a redonné. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, il a fait provision, il a fait préparation pour moi à coup qui croit dans lui, qui a servi et qui retient en volonté. C'est ça que fait dans Jean 14, verset 3, il dit, je reviendrai. Bon Dieu, pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir. Moi, de fait, moi, mourir, moi, ressuscité, moi, à retourner pour me prendre ensemble avec moi. Et il y a un peu de monde qui dit,
Je dis, ça fait longtemps que j'ai dit, Christ a fini, et m'a rendu elle fini. Qui t'aime jour matin, bon Dieu, pas jamais en retard, attendez. Comment tu fais pas en retard? La Bible a dit, un jour, c'est encore 1000 ans pour mon Dieu. Et 1000 ans, c'est encore un jour pour mon Dieu. Ma fin avec le dernier verset, ça. Dans 2 Pierre 3, verset 9. Mais ça fait Jésus pour qu'on retourne, attendez. Mais ça fait pour qu'on retourne. 2 Pierre 3, verset 9. Qui ça le dit? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelqu'un le croit. Mais il use, voilà le mot, il use de patience envers qui monde? Envers nous, malgré le dit vous. Ne voulons pas aucun périsse, mais voulant tous arrive à la repentance. Est-ce que vous croyez que Jésus va dire? Si ce bandit d'a dit la vie, il ne peut pas venir. C'est où faire pour venir parce qu'on peut pas repentir. Si il est venu, c'est même passé à m'dap non chaud. M'a dit tout à non chaud ou même. Si il est venu, c'est même passé à quelqu'un qui était non chaud. Qui déjà connaît qui était non chaud. Qui est pasteur qui était non chaud. Qui est même l'église qui était non chaud. Ou pas dit comment non chaud. Ou diakonès, ou pas saluer Jack. Ou pas monter machine l'autre Jack. Et pour te mou Jésus vini. Ou pasteur va bailler l'autre pasteur, non mais on va gonfler le corps. Ou pasteur va bailler la scène, ou va prendre la scène, ou te mou Jésus vini. C'est où faire pour qu'on vini. Et patience, ils ont l'air. Mais ça fait pour qu'on vini. La croyance en Dieu. Ou besoin de Jésus vini pour me danser. Est-ce que vous d'accord pour le vini après-midi? Mais il faut qu'on croie dans lui-même. Si vous d'accord pour le vini, il faut qu'on range qu'on soit là avant qu'on soit là. Alors, l'homme vini. Il n'y a pas de nom pour le vini. Ce n'est pas oublier le vini pour le oublier pour le vini. C'est parce que ouais, moi je dis quoi dans Jésus. Mais l'on garde dans le fond que nous. Il est tellement qu'un fatra, animosité, hypocrisie, incompréhension. Il dit, si je viens, je détruis tout. Bamba, on dit chose toujours. Bamba, le dernier dimanche de l'année. Dimanche, ça, c'est dimanche pas lié. Dimanche, ça, c'est dimanche pas lié. La croyance en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Pour si elle est possible pour moi, pour le possible pour vous, il faut qu'on croie dans Jésus. Non seulement elle te fait des habitudes, mon Dieu, ou bien je crois qu'elle t'a mouru pour péché. Il ressuscite et elle a fait provision pour vous. Il dit, je reviendrai. Et vous l'avez dit, oui, qui fait le bon revenu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.